Salut à tous, Celtistine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Division 2. On va voir dans cette vidéo assez rapidement comment trouver les salles secrètes de loot et les porte-clés qui sont offerts dans les expéditions, donc la première expédition. D'abord, on va commencer avec la bibliothèque de Kenly. Vous connaissez cette salle, c'est la salle centrale où vous avez une quête à faire. Regardez ici, il y a un bouton près des bibliothèques au milieu de la salle, dans la salle qui est un peu ronde. Vous allez juste faire un 180 degrés, vous allez aller derrière vous et regardez ici, il y a un autre bouton sur cette porte blanche. Vous allez l'activer. Vous allez donc du coup ouvrir cette porte secrète et là il y a un tableau de bord, il suffit juste d'activer le levier, bon il y a une caisse à côté, vous pouvez la looter vite fait, de retourner au même endroit et ce sera bon, vous aurez accès à la salle de loot cachée. Elle n'est pas vraiment cachée, mais bon, elle est un petit peu cachée quand même. Il y a des portes un peu comme dans les films d'horreur des années 90, une porte secrète. Et à l'intérieur, c'est vraiment similaire à un point level 4. Vous avez les mêmes caisses qu'un point de contrôle. Level 4 ou level 3 ou level 2, n'importe. On va passer maintenant aux porte-clés et c'est une espèce d'astuce que vous devez faire de toute façon quand vous faites la mission. Pour ouvrir une porte en haut, il va falloir taper contre ce truc au mur, cette caisse au mur. Il y a une autre caisse au mur ici, vous devez tirer à travers le balcon, vous allez rentrer et là, juste sur le bureau, hop, vous allez récupérer le porte-clés de la mission bibliothèque de Kenly. Je vous montre un peu sur la map où on est, mais logiquement, vous n'en aurez pas besoin. Franchement, c'est pas très grand, vous allez vite vous retrouver. Du coup, on va passer maintenant au métro. Du coup, j'active l'écho. Petit écho, ok. Et maintenant, j'active une mission. Et je vais chercher le petit champignon. Donc, on arrive d'ici du métro. On passe par là. On descend le grand escalator. On descend à gauche. Il y a des champignons gauche et c'est là dans le coin. Ouais, c'est ça. Nickel. C'est ici qu'on a. C'est quoi d'ailleurs le. Je vais le mettre. Je vais voir ce que c'est. Le porte-clés, c'est un porte-clés. Ah bah c'est avec un petit champignon comme Toad. Ah, excellent. Voilà. Et du coup ici, vous allez pouvoir nous suivre pour trouver la salle de loot secrète. Droite, ouais, ici. Ici, il faut sauter dans le trou. Ici, venez voir. Ouais. Bah, c'est là en fait. Débloqué ici, ça a caché, il y a marché. Ah ouais. Bien. Mettre ça et porte de la réserve. Ah. Par contre, la porte elle est. C'est ici, faut revenir sur nos pas en fait. Ici, et c'est une des portes juste à côté. C'est celle-là, regarde. Accéder au matériel, il y a marqué. Hop, et c'est là. Voilà, du coup, pour les deux premières phases de l'expédition de Kenly, vous aurez déjà les porte-clés et les deux salles secrètes pour looter, pour avoir plus de loot. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à lâcher un like si ça a pu vous aider. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez Division 2. Vous pouvez également me supporter. Il y a des liens dans la description si vous souhaitez le faire. Bah écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé. Je vous dis ciao à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Altistine. Et on se voit très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.